Attention les stations fréquences qui veulent aller sur Bordeaux Nord, dans le secteur de la Lunesse des Eaux. Évitez tout le coin, là, est quadrillé, fermé par la police à cause d'un risque d'explosion. Quoi ? Ouais, les stations fréquences qui veulent aller sur Bordeaux Nord, sur le secteur de la Lunesse des Eaux. Évitez le coin, tout le secteur est fermé et bouclé par la police à cause d'un risque d'explosion. À quel niveau la station sur l'île ? Bordeaux Nord, du côté de la Lunesse des Eaux, c'est-à-dire pas loin des bassins à flots. Voilà, dans ces coins-là, les bonnes 73 à toi, la station de la part de Daddy 33. Voilà, c'est tout le coin, là, de Bordeaux Nord, la Tulle, la Lunesse des Eaux, les bassins à flots. Tous ces coins-là, là, il y a la police qui est sur place. Ils ont, c'est déjà bouclé là depuis une bonne partie de la nuit. Ça y est encore en ce moment, et à cause justement d'un risque d'explosion qu'il y a actuellement. Hein. Un silo, d'après ce qu'on m'a dit, au niveau de la Lunesse des Eaux, là, qui risque de péter, quoi. Tu m'as reçu la station ? A priori, oui. Il est passé deux voitures, un petit camion.
un rond-point dans la gare et la place. Pour moi, j'ai jamais compris comment ils ont aménagé ce... Pourquoi ils ont aménagé ça comme ça. Et à la rigueur, ils laissent les feux là pour protéger le passage à niveau. Et puis c'est tout. Mais là, c'est de la connerie. Hein. Là, c'est bon, on a le temps, il a le train. Je sais pas, parce que, comment dire, la dernière, il est pas venu, il est venu une année, mais la dernière, il est pas venu. La dernière, elle a presque passé avec les sons de Baltrap. Ah ouais, parce qu'il aime ça, lui, il en fait un moment de temps, il en faisait un paquet tous les week-ends. Hein. Ouais, mais la dernière, on l'a vu pas beaucoup d'endroits, on l'a vu. En plus, il allait loin, il allait, je sais qu'à un moment de temps, il allait sur le Médoc et tout ça. Hein. Mais ouais, mais c'est quelque chose qui revient cher le week-end, alors maintenant, mais c'est pas évident non plus. Hein. Mais comme tout, ouais. De toute façon, maintenant le loisir, ça coûte cher. Maintenant, ouais. Vous faites que des trucs en l'air ou il y a des trucs au sol chez vous, là, comme avant c'est... Il y a leur habit aussi. Ça me fait marrer, ça. Et nous, c'est en bordure de bois, alors ça sort du bois. Et le bordel, il a pas fait... Ils savent où il sort. Ah, le bordel, il a pas fait un mètre qu'il est cassé. Ah, t'as du monde qui en fait ça, maintenant, qu'ils en sont fous de ça. L'année dernière, avant ça, il y avait le bois, alors ça partait depuis le bois. Il y avait un trou, là, de... même pas de 2 mètres, et puis il y avait... Il y avait deux bottes de paille, et après tu le renvoyais après la botte de paille. Mais je te garantis que la paille, ça a volé. Il y en avait des plombs dans la paille. Les mecs, ceux qui étaient pas assez rapides, c'était dans la botte. Ah ben, c'est pareil maintenant. Le problème, c'est qu'ils ont pris l'habitude. Maintenant, ils amènent des fusils qui vont bien. Qui roulent, qui écartent, alors... Ouais, parce qu'ils tirent pas loin, quand même. Mais ils peuvent le régler, ça, le changement de façon de sortir là avec leurs appareils là, parce que ça sort toujours au même endroit. Alors les mecs ils savent, ils savent la hauteur, ils savent tout avant que le bordel soit sorti, ils sont déjà en loup. Ah ouais, tu peux régler la vitesse, c'est tout. Ah ouais. Ah, ça y est, tu vois, il y avait un casse-couille, on est tombé dessus. Ah ben longtemps qu'on en avait pas vu. Si t'as certains appareils après qu'ils peuvent les régler, aller faire partir en l'air si tu veux, mais bon, mais je vois chez nous, on le met sur un feutre. Et des fois, ça fait des rebonds de 1m50, alors ils se font bien surprendre, hein. Ah ouais, ah ça c'est trop marrant. Ah ça me fait marrer, ouais. Le bordel, les autres ils sont là, ils attendent, ils sortent, paf. Ou alors, s'il a loupé, le deuxième est dans la paille. Ah, j'ai mis un petit coup d'appel de phare, ça y a fait du bien, on dirait. Ah, le moteur était pas chaud. Oula, il y a quelque chose sur le milieu là, faites gaffe. Ouais, on dirait un bout d'aile ou je sais pas quoi. Ouais, le sang de réservoir. Et un matin, il y en avait un qui était sur le bord, hein, qui était en panne, là, avec une espèce de bagnole. Là. Il avait ouvert le capot, il était parti voir dedans. Alors, t'avais les veilleuses qui étaient allumées, les feux de détresse qui étaient allumés et tout clignotait. Oujila, ça... Mais ça clignotait très faible et très lent. Oujila, c'est pas bon. Non, non, le sapin de Noël allait s'éteindre.
ça coûte combien ça, l'unité? L'unité, je sais pas trop toi. Je te dirai une connerie. Je sais que le carton de. C'est un carton, les cartons font 150 plateaux, je crois. Et une époque, ils étaient à 15 euros, un truc comme ça. Alors, 15 ou 16 euros. Ça fait du 10 centimes, c'est pas cher, hein. Non, mais bon, quand t'as passé. Nous, l'année dernière, on a dû passer une palette et demie, je crois. Ah ouais, ça fait quand même des morceaux de terre. Ah ouais, et t'as certains qui sont plus durs que d'autres, ça dépend de la cuisson. Et ça, vous le savez ou c'est le hasard? C'est le hasard, on ne savait pas comment ça s'est passé. Si le gars s'est endormi sur le pont ou quoi. Quand je vais voir, j'aime bien, parce que des fois, il y en a qui pètent. Ils reprennent un bout, ils repètent le bout. Putain, mais... Ah ouais, mais c'est... Il y en a trop pas mal, des fois, on les ramasse pour nous le lendemain pour faire la coupe des chasseurs. On en ramasse, t'en as un pilot qui sont percés, mais pas cassés, hein. Pour ramasser tout ce bordel là. Non, on les enterre, ceux qui passent le coup d'infantative, après ça se voit plus. Non, c'est à terre. Ouais. Avancer, ils ont les ramasser parce que c'est le stade. Ah ouais, mais ce qui risque de se passer peut-être à l'avenir, c'est qu'on va être obligé de ramasser les douilles. Mais avancer, ils mettent des bâches. Devant les chasseurs, il y a des grandes bâches, et bon, il y a ceux qui aiment du côté, ça va pas avoir la bâche. Moi, normalement, ils mettent des bâches et puis après, ils mettent la bâche. Ouais, mais nous, on met des filets devant pour les cartouches, mais après, tu sais, c'est les jupes, là, tout ça, qui tombent à 20 mètres devant toi. Ah oui, bah oui, là, oui, d'accord. Oui, c'est entre la poudre et le plomb. Hein. Ouais, ça va arriver, qu'on sera sûrement obligé de les ramasser, arrivera un moment. Bon, okay, mais là, ça veut dire pas t'amuser. Ben, après, tu fais la même chose, on mettra des filets ou des bâches à, mettons... entre 15 et 25 mètres, et comme ça on les pliera, hein. On sera obligé de faire comme ça. Allez, c'est l'écologie. Ah ben ça y viendra peut-être. Demandera à Ségolène. Ben oui, le problème, c'est qu'ils emmerdent tout le monde, et quand tu leur donnes la possibilité de faire quelque chose, ils ne veulent pas. Et dans l'instant, heureusement qu'ils ont refusé. Ouais, mais tu crois que ça va être mieux, là? Ah, c'est pas une écologie, ça tombe en temps. Parce que le Valse, là, quand on va lui faire des reproches sur quoi que ce soit sur l'écologie, il va certainement savoir leur remettre dans les pattes. Ah, il y a grande chance.